Anna, bonjour. Bonjour. Merci de nous dire en quoi la musique et les arts sont des remparts contre les violences très nombreuses aujourd'hui. Je trouve qu'on peut utiliser l'art et la musique comme une langue pour partager notre idée et notre point de vue et pour l'expression et partager pour la public est-ce qui se passe, la conscience de est-ce qui se passe dans le monde et transmettre une conscience aussi. Oui, et transmettre une conscience de violence avec est-ce que nous, musiciens, est-ce que nous fait. Oui, et la guerre, la brutalité de la guerre, où elle se trouve, mais il y en a une en Ukraine, il y en a une au Proche-Orient, vous touche en tant qu'artiste, vous, et vous transmettez quelque chose. Oui, bien sûr. Je pense que les artistes sont vraiment sensibles pour tout ce qui se passe. C'était toujours comme ça. On a les exemples aussi. La Première et Deuxième Guerre mondiale, il y avait ça donnait beaucoup de... ça changeait beaucoup des arts en général. Et oui, ça me touche beaucoup, je souffre beaucoup, c'est vraiment difficile de faire la musique avec les pensées de tout ce qui se passe. Mais en même temps, je pense que c'est important de continuer notre vie quotidienne et continuer de faire ce que nous pouvons faire et dans notre métier et transmettre. L'humanité, notre point de vue, avoir le courage pour dire ce qu'on pense de contre la guerre avec notre musique. Et c'est très important pour le public. Oui. Merci beaucoup, Anna. Merci. Continuez. Merci.